كثيرا منا يبدأ نهاره بكوب شاي دون أن يدخل في تفاصيل إنتاجه، فنحن بدورنا جئنا إلى هنا إلى جزر الموريس للتعرف عن قرب على طريقة قطف وتصنيع هذه النبتة، أي نبتة الشاي. فلنشاهد. Quand les Noris, on plante l'été à peu près 1892, donc ça a plus que 100 ans. Mais par contre, pour la récolte, il y a une saison. La saison, c'est plus en été. Alors, quand j'ai l'été, c'est début d'octobre jusqu'à la fin de mars. Comme on voit les champs de thé, les dames qui ramassent les feuilles, il faudra qu'elles choisissent que les trois premières feuilles. Alors, comme on voit, les trois premières feuilles, donc le vert clair. Dans 15-20 jours après, il va avoir trois feuilles pareilles. Donc, en été, on peut venir faire la cueillette tous les 15-20 jours sur le même plan. Mais par contre, l'hiver, ça prend un mois pour pousser. هل نبتة الشاي بحاجة إلى رعاية مكثفة كالري وسماد وغيره؟ Non, c'est pas comme la canne à sucre, il faudra s'arroser tout ça, non. Donc c'est plus en hauteur, donc ça demande la chaleur et l'humidité, c'est tout. كيف يمكن أن نميز بين ورقة شاي؟ هل هي صالحة لشاي أسود أو لشاي أخضر؟ Alors là, c'est une bonne question et c'est la même plante, même feuille. Donc c'est le procédé qui est différent. Par contre, on a l'occasion de voir tout à l'heure, pour le thé noir par exemple, les feuilles sont broyées, il y a de la fermentation. Et donc pour le thé vert, il n'y a pas de fermentation. Et là, juste après la cueillette, les feuilles de terre, il arrive à l'usine. Et là, maintenant, on voit l'endroit où on fait le séchage. Et là, toutes ces feuilles-là sont posées sur une grille. Et là, ce soir, on fait passer de l'air chaud à travers la grille. Donc là, les feuilles de thé, il ne faut pas que ce soit complètement sec aussi. Hein. Il faut juste qu'on enlève l'humidité que 25 à 30%. Juste après le séchage, les feuilles sont broyées. Alors, ils sont broyés deux fois. Maintenant, quand on broie les feuilles, normalement, ils ne vont pas sentir le thé. Comme c'est un peu vert, ça va sentir la verdure. Donc là, on a vu les feuilles de thé, ils sont exposées sur un tapis. Donc une couche environ 15 cm d'épaisseur et là ça reste une heure et demie. Et là en une heure et demie on voit les couleurs changent par elles-mêmes. Au départ c'était vert et ensuite ça devient marron. C'est des 15 cm d'épaisseur qui développent la chaleur, ça fait du compost. Alors ça fermente et c'est la fermentation qui fait dégager les arômes, le thé. Alors là les feuilles de thé ça passe 10 minutes seulement au four avec en température maximum 110 degrés. Donc 10 minutes après, là on voit, ça ressort du thé noir. Dans les feuilles, il y a les nervures, et quand on fait la cueillette, on voit les tiges qui tiennent les feuilles, tout ça c'est encore dedans. Alors pour l'enlever tout ça, là on voit des rouleaux, une machine avec des rouleaux plastifiés, qui sont frottés avec une ceinture, donc ça provoque l'électricité statique. Donc déjà à la fin, on a le thé qui est déjà prêt pour consommer tous les jours. ويبقى الشاي المشروب الأحب إلى معظم سكان الكرة الأرضية. من جزر الموريس في المحيط الهندي، ليث بزاري، العربية.